Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Aujourd'hui, 18 janvier 2022, nous trouvons dans l'Évangile la manifestation de la richesse particulière de l'amour et de la prédilection du Seigneur pour chacun et chacun de nous. Appelé à la vie et en son sein appelé à une vocation particulière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 23 au 28. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim? Lui-même et ceux qui l'accompagnaient. Au temps du grand prêtre Abiathar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande. Que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Chers amis, l'Évangile d'aujourd'hui fait partie d'une série de polémiques entre Jésus et les pharisiens autour de repas avec les pécheurs, du jeûne ou du sujet du sabbat, comme c'est le cas de l'Évangile. Les disciples de Jésus passant dans son champ ont arraché une série de épis le jour du sabbat pour se frayer un chemin, ce qui provoque le jugement des pharisiens. La sanctification du sabbat était l'un des commandements du décalogue recueilli dans sa double tradition de l'Exode et du Deutéronome, dans lequel, soit dit en passant, il est justifié par des raisons différentes. Fondamentalement, le conflit qui surgit entre Jésus et les pharisiens et de savoir comment mettre à jour le mandat de la loi dans ces circonstances spécifiques. Comment interpréter aujourd'hui ce qui a été donné par Dieu au temps de Moïse? Alors que les pharisiens font une interprétation littérale et rigoureuse de la loi, Jésus introduit un critère de discernement, plein de nouveautés, recourant en bon maître à la même écriture pour présenter ses arguments. Réalisé dans le premier livre de Samuel, l'épisode où David ose pour fin, commettant presque un sacrilège, manger les pains de la présence qui était dans le sanctuaire de Dieu. Le critère de discernement que Jésus utilise pour réaliser en son temps le mandat d'accomplir le sabbat est l'être humain lui-même, sa dignité, la défense de sa vie, son intégrité, son propre bien, la fraternité universelle. Il n'y a pas de loi de Dieu qui soit vraiment divine
et prétend menacer la vie ou la dignité des hommes et des femmes. Cela a été bien compris par Sainte Marguerite de Hongrie, dont nous célébrons aujourd'hui la fête et que le pape François a approuvé dans son magistère. Nous croyants sommes mis au défi de retourner à nos sources pour nous concentrer sur l'essentiel, l'adoration de Dieu et l'amour de notre voisin, afin que certains aspects de nos doctrines, hors de leur contexte, ne finissent pas par alimenter des forts de mépris, de haine, de xénophobie, de déni de l'autre. Nous demandons au Seigneur que nous obtienne dans l'esprit une telle familiarité avec ton Père, que je puisse choisir en toutes choses sa gloire et accomplir librement ce que l'ordre de la création me demande. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à la prochaine.